Nous marchons depuis 5 jours. Ce soir, nous arrivons chez Rachid, et dans 7 jours, nous devons rencontrer les frères. La dernière fois que j'ai conduit un convoi, c'était beaucoup plus au nord. Il neigeait. Et il fallait faire vite, passer à tout prix. Mais on est quand même parti de la même façon. Les frères que je devais conduire étaient bien plus jeunes que maintenant. Eux, ils étaient impatients, comme délivrés de quelque chose par le départ. Moi, je pensais à tout ce qui s'était passé les autres fois. C'était autre chose que maintenant. Il fallait profiter de la nuit, d'une seule nuit, pour arriver avant l'aube. L'aviation ennemie veillait toujours, mais la nuit était plus forte qu'elle. Nous étions plus de 50, aux épaules déchirées par les armes que nous devions transporter à dos, et les 50 me semblaient comme autant de cordes qu'on m'avait passées autour du cou. Ils peinaient sous la charge supplémentaire, à chaque fois plus lourde. Nous ne pensions qu'au moment où nous pourrions dire aux frères « Voilà des mortiers, voilà des bazookas et des mitrailleuses lourdes pour répondre à l'occupant. » On est passé, pas tous. Ils avaient confiance en moi. En eux, bien sûr, mais en moi, parce que je connaissais. Et moi, je pensais pouvoir rencontrer ma petite fille, Safia. Ce soir, nous sommes chez Rachid. Son fils Slimane l'attendait. Ma fille avait le même âge que Slimane. Rachid, c'est moi, l'autre fois, au départ. Lui est plus heureux, il a son fils. Comme le chantent les mères, ne pleurez pas, enfant de mes entrailles. Votre père viendra. C'est l'hymne à la joie que je chante. Mon père m'a dit, un jour, il faudra que tu répondes. Qu'est-ce qui est plus dur que la pierre, plus fin que le sable, plus frais que la source et plus chaud que le pain frais? Maintenant, il faut éviter le combat à tout prix. Ce n'est pas l'ennemi qui nous attend, ce sont nos frères. Notre chemin est long et nous devons les rencontrer dans 6 jours. Nous n'avons pas d'autres alliés que nous-mêmes. Ne pleurez pas, votre père viendra, c'est à la joie que je chante, mes larmes ne coulent pas. Je sais bien que mon père viendra, il est là mon père, je veux le garder, il est à moi et partout où il est, c'est chez moi.
nous-mêmes, plus petit que nous-mêmes. Et nous n'avons pas su le reconnaître sans le voir. Rachid est furieux. C'est qu'il a peur, comme nous, de ce qui aurait pu se passer. Mais nos enfants sont comme leur père, et qui pourrait bien les arrêter? Je veux pas attendre d'être grand pour faire comme mon père. Slimane est là avec son père. Comme lui, il tiendra. S'il a su se jouer de nous, ils ne pourront rien contre lui, si par malheur on les rencontre. Mais Slimane, c'est aussi une bouche de plus, et une bouche qui aura soif. Mais il est de la race des hommes libres qui ont soif, mais d'apprendre et d'agir d'abord, qui n'acceptent pas l'attente. Avant de tout connaître, ils savent, nos gosses nus, que notre pays est à nous, qu'il n'y a rien à attendre, qu'il faut faire sans attendre la plus longue route, s'y engager, la marquer de chacun de nos pas. Qu'est-ce qui est plus fin que le sable, plus dur que la pierre, plus frais que la source et plus chaud que le pain frais? Il faudra que je réponde un jour. Parce qu'elle ne peut finir que comme nous voulons. Plus la route est longue et dure, plus l'ennemi s'y perdra. Malgré ses milliers d'hommes de guerre, ses innombrables canons, ses chars lourds et toute sa technique qui ne tient pas devant l'imagination de tout un peuple. D'un peuple qui apprend toujours plus en marchant. Mais nous ne sommes pas seuls. C'est tout le peuple qui marche maintenant avec nous. Nous sommes chez nous et nous marchons vers l'avenir que nous construisons. Ça n'a pas de prix. Aucun d'entre nous n'a jamais pensé mesurer ses jours. Notre heure est celle que nous ferons sonner nous-mêmes ensemble. Eux, ils font la guerre pour garder le passé. Ils ont peur de notre immense territoire, peur d'être seuls, face à eux-mêmes, dans le silence. Et pourtant, ils s'isolent. Ils sont obligés de s'isoler. Ils se retranchent derrière des forteresses. Ils ont pris les pierres du désert pour en faire leur tombe, par peur du silence. Et quand une pierre tombe, ils fracassent le silence. Thank you.
chien, Lugart, pourrait prendre un poisson dans l'eau. Oui, comment un chien de garde pourrait prendre un poisson dans l'eau? Elle-même nous protège. Mais dans 4 jours, nous devons rencontrer les frères. Moteurs qui font trop de bruit pour qu'on leur fasse confiance. Tu viens de trop loin pour qu'on avoue. Regarde ses mains. Elles sont sans tache. Mais qu'est-ce que tu peux voir? Sais-tu lire dans les yeux des hommes libres? Plus chaud que le pain frais, plus chaud, c'est plus frais que la source, que l'eau de source, plus chaud que le pain et plus frais que la source, plus chaud que le pain frais.
plus chaud que le pain frais, plus dur que la pierre. Ne pleurez pas, hein? C'est à la joie que je chante. Mes larmes ne coulent pas. يا خدع اخضعتني في مم العين سكنته التراب تغطى بحجار يا ضحيت على الوطن مع المجاهدين سبلت أعماركم مش خسارة Ne dites pas que votre père est mort. Votre père vit toujours. Nos frères ont été sauvés. Mais le sixième jour est déjà passé. Il ne faut plus s'arrêter. Il faut que rien nous arrête. Ils ont besoin là-bas de ce qui nous oblige à refuser le combat, à fuir l'ennemi. Chaque balle gardée est une victoire. Mais qui pourra peser le poids terrible d'un jour perdu? Il ne faut pas s'arrêter. Thank you.
Il ne fallait pas s'arrêter. Cette eau est empoisonnée. Jusqu'à l'eau. Il ne faut plus s'arrêter. Le soleil rend fou pour mieux nous tuer. Il faut marcher. On ne pourra pas rattraper le sixième jour. Il est déjà passé. Eux aussi, comme les jeunes de l'autre fois, ils ont confiance, malgré tout, plus qu'en moi. Ils ont confiance dans ce désert même, qu'il ne peut pas trahir. Nous avons donné tout, refusant jusqu'à oublier nos corps. Et c'est l'enfant qui a trouvé. Nous ne pourrons jamais nous perdre sur notre route. Le peuple nous guide, plus sûrement que les étoiles, comme un phare. Là où il tient, c'est notre but, c'est notre univers. Oui, comme des poissons dans l'eau, qui se gagnent goutte à goutte, comme notre avenir, pas à pas. Notre peuple s'apprend en marchant. Aucun de nous est seul. Chaque habitant de ce désert est un combattant. Mon père m'a dit de répondre un jour, « Dis-moi, qu'est-ce qui est plus fin que le sable, plus dur que la pierre, plus frais que la source et plus chaud que le pain frais ?» C'est la liberté, mon fils. عظنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العدا سنسود ونعصف بالظلم والظالمين سلاما سلاما.